Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui. J'avais envie de continuer mon petit carnet avec vous. Donc, vous vous rappelez, on a déjà fait une ou deux pages, je crois. Donc, je n'ai pas beaucoup avancé. Et du coup, je voudrais le finir. Donc, on va faire ça ensemble. On va prendre une page. Hop. Je le mets de côté. Je ne quitte que mon fond. Et donc, on peut venir le travailler. Alors, pour venir le travailler, qu'est-ce que je vais utiliser? J'aurais bien vu mes petits ponts. Vous voyez comme quoi ça sert de les avoir faits à l'avance. Voilà. J'aurais bien mis mes petits ponts là. Ensuite, on a les tamponnages de fond. On a des découpes. J'ai le pochoir. Ah ouais, les masques, ça peut être pas mal. Et les tampons du calendrier. Et en même temps, est-ce que je prends là-dedans ou pas? Vous vous rappelez, on a eu ça dans le calendrier de l'avant. Alors, je sais pas. Il y avait ça qui était pas mal, mais ça va pas aller avec mon fond. Ça va pas aller avec le fond. Alors, on va trouver autre chose. Ça, c'est pareil. Ah, bien que si, je vais peut-être prendre ça. Hop. On va prendre ça. Ensuite, j'ai sorti tous les petits calepins comme ça de Art by Marlène, justement, pour voir qu'est-ce que j'aurais pu prendre. Donc, celui-là, c'est plus Noël. C'est pas trop la période, mais dans notre art journal, il n'y a pas de période. Donc, on peut très bien utiliser du Noël. Mais il faudrait que ça ne soit pas hyper grand parce que mon fond n'est pas non plus hyper grand. Et j'aurais voulu dans les couleurs là pour aller du coup avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça va être un petit peu grand, je pense. Ah, bien que ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Ouais, donc je vais la prendre, elle. Allez, c'est parti. Hop, et voilà, on va prendre ça. Celui-là, c'est fait. Impeccable. Hop. Impeccable. Et ça peut le faire du coup. Ouais. Admettons que je passe comme ça. Ça me paraît pas mal. Et donc comme elle a de l'alphabet sur sa robe, on va peut-être jouer sur les alphabets. Donc, alphabet, est-ce que j'ai ça? Non, là j'ai pas d'alphabet. Dans ces pochoirs, il n'y en a pas non plus. Enfin, dans les masques, il n'y en a pas non plus. Dans les découpes, non plus. Donc, on va regarder dans les pochoirs. Pochoirs, j'ai ça, c'est sûr. Il suffit juste de tomber dessus, comme on dit. Là, je crois qu'il y a des chiffres. Ouais, là, il y a des chiffres. Ça peut être pas mal. Donc là, j'ai pas d'alphabet du tout. Alors. C'est pas comme si je manquais de pochoir, n'est-ce pas? Donc ça non, ça je vais peut-être tester, il faut que je le fasse. Donc ça non. Hop. Quand j'aurai tout vidé, j'aurai trouvé. Alors, ah yeah, j'ai trouvé. Voilà. Donc, on remet tout dedans pour le moment. On ira chercher si besoin. Voilà. Donc, j'ai bien mon alphabet et j'ai mes chiffres. Donc, hop, je vais enlever un peu de ça. Voilà. Et on va venir retravailler le fond. Donc, je cherche le sens. Voilà. Je vais venir juste en fait. On va venir. Alors. J'ai tout dans mes tiroirs, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il faut pouvoir faire mes tiroirs. Toujours pour avoir le tiroir double. Ouais, je vais utiliser cela. Alors, est-ce qu'il est actif? Est-ce que j'ai une petite chute dans le coin là? Pas spécialement. Oui, c'est bon, il est actif. Donc, admettons que je fasse. Il va pas se voir. Ça va pas se voir. Je vais en prendre un autre.
Je change. On va essayer un vert qui vient de chez Action, celui-ci. Mais il n'est pas activé non plus. Allez. C'est un peu long des fois à activer. Voilà. Donc là, j'ai bien du vert. Voilà, ça se verra un petit peu plus. Hop. Donc j'ai juste passé dans le pochoir, hein. Pas de complications. Voilà. Vous voyez, le gris, il se voit pas du tout, en fait. Il se voit, mais alors très peu. Donc on va venir faire par ici pareil. Voilà. Donc là, on est pas mal déjà. On est pas mal. Est-ce que j'en fais d'autres? Donc il faudra passer au nettoyage, hein, forcément. On va prendre. Hop. Je vais prendre une autre couleur. On a celui-là, le Hall Surface Marker, là. Il est activé, donc c'est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir. Voilà. En fait, on va en mettre sur la plaque. Voilà. Je vais prendre ma petite éponge comme ça et on va voir ce que ça donne. Ça donne pas grand-chose. Donc si je fais l'inverse, que j'en mets directement dessus. Qu'est-ce que ça donne cette fois-ci? Ça marche déjà un petit peu mieux. Bon, voilà, par contre, la feutrine, ça y est, elle rend l'âme. Ouais, ça fait pas tip top cette affaire. On va prendre une autre mousse parce que celle-là, de toute façon, voilà. Elle est foutue. Donc, on va aller rechercher une petite mousse de chez Action, forcément. On va pas utiliser celle de chez Studio Light pour faire ça. Hop. On va essayer avec une blanche pour voir. Oups. Alors. Ah bah. Voilà. Je la mets dessus. On va essayer de refaire sur la plaque pour voir. Hop, je vais remettre le pochoir par là. Bah, ça marche pas plus, hein. On va essayer directement dessus. Donc, je mets ma peinture. Hop. On verra ce que ça donne. C'est pas tip top non plus. Ça marque beaucoup mon pochoir, mais pas sur le papier. Donc, on va essayer la lingette. On marque le truc. Alors, si je prends la lingette, je vais peut-être récupérer ce qu'il y a sur le pochoir. Et ça peut-être arriver sur la feuille. Peut-être. Testons. Essayons. On va dire comme ça. Allez. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je dirais même que j'ai taché mon pochoir. Mais c'est pas tip-top cette affaire. Non, c'est pas le top, c'est pas le top. Alors, ça a l'air de marquer un peu quand même sur mon papier. Donc, on va continuer un petit peu pour voir. Alors, si vous avez mal au bras, c'est pas la solution, moi je vous le dis. Parce que là, je frotte vraiment très fort pour récupérer ce qu'il y a sur le pochoir.
donc c'est pas le top. Hop. Bon, on a des petites traces, mais alors très légères. Et mon pochoir n'est même pas propre. Bref, c'est pas grave. Ici c'est pareil. Hein, sur ma plaque en verre, c'est pas le top non plus. J'aurais pas dû faire ça. Alors c'est peut-être parce que c'est du marqueur surface et que ce n'est pas vraiment de la peinture. Donc on va essayer avec de la vraie peinture. Enfin de la vraie. Acrylic paint. Voilà, on va essayer avec ça. On verra si ça marche mieux. Ah, puis il n'est pas activé non plus. Aïe. Alors, voyons voir si là, cette fois-ci, ça marche mieux. On reteste. Je reprends le pochoir, mais je vais tenter le 5 au lieu du 7. Ah, déjà, j'ai l'impression que ça marche mieux sur... Bon, c'est pas encore miraculeux. Non, ce n'est pas miraculeux du tout. Ça marche un petit peu mieux, mais ce n'est pas encore... On est mieux à prendre vraiment un tube de peinture et le faire avec de la peinture, je crois. Voilà. Alors, du coup, je vais retenter ma lingette. Donc là, déjà, c'est de la peinture. Ça se voit parce que, du coup, ça se nettoie beaucoup mieux sur le pochoir. Voilà. Vous voyez, ça se nettoie quand même beaucoup mieux. Bon, bah là, je pense que le fond, on va le laisser comme ça. Hein. Je pense que là, il n'en peut plus. Il en a marre. On viendra faire des chiffres et des lettres à la main après. Au pire du pire. N'est-ce pas? Donc, on va venir coller. On va venir déjà travailler ça. Déjà, je voulais le couper en deux. Alors, pour le couper en deux, j'essaye de le plier. Voilà. On va venir prendre les ciseaux et couper là où il y a le pli. Tout du moins, on va essayer. C'est bon. Donc moi j'aurais bien vu ça comme ça, voilà, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, ça par là, et faire comme si c'était ses ailes en fait, voilà, c'est pas mal comme ça. Mon petit pont par dessus, comme ceci, il ne manque plus que le sentiment. Alors pour le sentiment, j'ai ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Life, miracle. Ouais, je prends ça. Hop. Ah, bah là, j'ai un bout qui veut partir. Ah oui, mais non, te mets pas là. Donc, je reprendrai peut-être dans la prochaine collection d'Art by Marlène un truc comme ça. Parce que j'en ai quand même utilisé pas mal. Et comme ça sort pas tout de suite, j'aurais peut-être fini le calepin d'ici là. Donc, on va coller ça. Comme on a dit, on viendra retravailler notre fond après. Là, déjà, on est pas mal. Hop, ça. Donc, je crois que les chiens, ils ont faim. Allez, zou. Ouais, c'est pas droit, c'est pas dramatique, au contraire. Voilà, je préfère même. Et voilà. Donc, on va venir coller notre petite bonne femme. Voilà. Nos petits ponts. Voilà. On va venir coller notre sentiment. Et puis, on va pouvoir refaire des petites manies sur le fond. Alors, attendez, parce que là, j'arrive pas à la voir. Voilà.
Ouais, ça fait bien là. Donc ça c'est fait. On va pouvoir reprendre, bah, je sais pas, avec ce truc, ouais, comme ça. Alors il a l'air actif, donc tout va bien. Voilà, admettons. Hop. Bien les fermer, hein, surtout parce que sinon ils vont sécher. Voilà, je réfléchis pas, je prends, je pose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, j'ai du violet. Ça aurait pu être pas mal, ça aussi. Admettons là. J'ai une bonne connexion maintenant de feutre acrylique, ce qui est vachement pratique pour faire justement notre art journal. Hop. J'aurais voulu un noir pour faire donc un stylo noir. Mon feutre noir. Celle-ci, je ne crois. Ben voilà ce que je veux justement. Voilà. Ça fait un peu à l'envers, c'est pas mal. C'était pas mon idée de départ, mais c'est pas mal. Bon, ben là, je pense que c'est bon. On va pas en rajouter plus, hein. On va pas en rajouter plus. On va venir voir ce que ça donne sur notre fond. Hop. Ah ben, ça ressort bien. Oui. Donc, hop, on va venir le coller. Voilà. On est pas mal. Allez, celle-ci, elle est faite. On va venir peut-être faire celle-ci. Donc, il n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Elle n'est pas du tout dans les mêmes couleurs. Donc, ça va être sympa. Allez, on est parti. On va faire celle-ci. Je mets de côté. Bon, on a quand même pas mal avancé, mine de rien. Oui, c'est pas mal. Donc là, j'ai mis des ponts sur celle d'avant. Donc là, je vais peut-être me mettre, histoire d'avoir une certaine compréhension dans notre art journal là tout de suite. J'ai bien envie de mettre ça. Vous savez, c'est quand on arrache les pages. C'est donc des petits cahiers de chez Action là. Et j'aurais bien mis ça en fait. À revenir travailler peut-être un peu parce que ça fait vraiment très blanc, mais j'aurais bien mis ça. Et j'ai acheté il n'y a pas longtemps celui-ci. Et donc j'ai très envie, et je pense que ça va être dans les mêmes couleurs à peu près. Donc j'ai très envie d'utiliser celui-là. Et justement, il y a des fleurs, des papillons. Un papillon, ça aurait été pas mal, peut-être. Ah, il y a les oiseaux aussi. Ouais, j'ai bien envie de mettre celui-ci. C'est pas sur la même page, hein. Non. Allez, voilà. Donc, pareil, hein, maintenant, je pense que je vais me les prendre à chaque fois. Je prendrai peut-être pas tous les tampons à chaque fois. Mais les die-cuts, oui. Parce que très franchement, quand on veut faire un truc rapide, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Et franchement, ils sont beaux. Donc, franchement, ce serait dommage de s'en priver. Ouais, bah du coup, je vais garder ça. Hop. On...
Ouais, je vais prendre celle-ci comme ça. On sait déjà, impeccable. Il nous reste à regarder ce qu'on met dans le fond. J'aurais peut-être pris cette découpe-là, moi. Est-ce que... Bon, forcément, je vais la redécouper, elle est trop grande, mais... Est-ce que ça aurait été pas mal avec ça par-dessus, comme ça. Lui, en plein milieu, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et on va travailler avec les pochoirs fleurs, je pense. Mais pareil, je vais travailler avec quoi? It's a good question. Donc voilà, j'ai les masques. On va les mettre dans le fond. Hop. Je peux les faire superposer. Hein. Bah oui, moi je vois bien ça comme ça en fait. Il faut juste que je sache avec quel matériel je le fais. Et je sais pas en fait. J'avais une grosse boîte. Elle est là. Alors, j'ai les crayons de maquillage qui peuvent être pas mal. Mais j'ai aussi ce que j'avais pris, comme ça, chez Keepers. Et je me dis que là, justement, ça pourrait être peut-être pas mal. On va tester ça. Ouais, j'ai envie de mettre du bleu. Alors, je vais essayer quelque chose. Donc, c'est un test, hein, mais le art journal, c'est justement ça. Qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tester des petites choses. Donc là, je tiens mon masque parce que je veux pas que ça bouge. Alors ça se trouve, je m'embête pour rien, ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave. Si ça fonctionne, je serais bien contente. Donc là, je tiens, je viens remettre un petit peu de crayon là. Voilà. Et là, je vais prendre une petite éponge de maquillage. Voilà, donc c'est un sachet que j'ai eu chez Action. Et je vais venir voir si je t'ai fait. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Alors, il y en a bien sur la petite mousse. Mais j'arrive pas à étaler. Ça s'étale pas en fait. Alors hop, on va faire ça. C'est peut-être parce qu'il y a pochoir. Non, ça s'étale pas plus que ça avec ça. Même en appuyant bien fort, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. On va laisser celle-ci de côté. On va essayer autre chose. Les pastels à l'huile. Ah bah oui, on peut peut-être essayer les pastels à l'huile. Allez, on va faire une autre fleur avec les pastels à l'huile. Là, je sors tout ce qu'il y a dans mon tiroir. Parce que ça peut peut-être marcher avec ça, par contre. Aïe. On va prendre, j'ai bien envie du orange, moi. Allez. Je vais prendre du orange, je vais prendre une autre fleur et on va tester cette fleur-là. On verra bien si ça fonctionne. Sinon, j'irai au doigt. Peut-être au doigt, ça marchera mieux. Je n'ai pas tenté juste avant. Ah, j'aurais peut-être pu. Ah, bah là, j'aurais pas toute la fleur, j'ai bougé. Alors, à moins que j'arrive à refaire. Comment que j'avais mis ma fleur, moi? Comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal comme ça. Bah, sinon, il y aura un décalage et puis c'est tout. Allez, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser partout. Hop. On va repasser partout comme ça. J'arrive peut-être à ce que ça se confonde.
et qu'on ne voit pas la différence entre ce que j'aurais fait et pas fait. Bon, on teste avec la petite éponge. Ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Alors, j'ai bien de la couleur sur l'éponge, hein, y a pas de souci. Mais, non, ça n'a pas l'air de bien. Alors, on va le faire à la main. Et à la main, ça devrait fonctionner. Ça a l'air, en tout cas. Hop. Donc, je le fais au doigt. Et au doigt, ça a l'air de fonctionner. Oui. Donc, on va continuer au doigt, en fait. C'est la petite éponge qui ne va pas. Parce que là, ça fonctionne. Alors, faut pas avoir peur d'avoir les mains sales, forcément. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je tourne, voilà. On en remet. Et là, ça me semble pas mal du tout, cette affaire. On va avoir une jolie fleur, je pense. On est pas mal. Ouais, on est pas mal. Voilà. Bon, ça se voit pas spécialement beaucoup. Bon, il y en a plein sur ma fleur qu'il va falloir que je nettoie. Mais on a un semblant de fleur quand même. Donc ça va. On va réessayer avec une autre couleur, peut-être un petit peu plus vive. Qu'est-ce qu'on a? On a du rouge. Allez, on essaye avec le rouge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc là, il va y en avoir sur le pochoir, mais c'est pas grave. Avec le doigt, je vais venir faire comme l'autre. Et on verra bien. Donc les traces bleues, du coup, ça fait pas tip top, mais enfin, ça chauffera pas une fois tout mis. Allez, c'est parti. On essaie de faire notre fleur. Donc là, comme il n'y en a pas dans chaque pétale, mais qu'il y en a sur le pochoir, on devrait pouvoir le faire. Hop, on étale. Déjà, je vois la fleur apparaître. Donc, c'est déjà pas mal. Allez, hop. On y va. Il ne reste plus grand chose, hein. C'est pas mal. Et voilà, bon. C'est pas mal, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'est pas mal. Voilà ce que ça peut donner. Et donc, je voudrais tester un truc, mais je vais le faire derrière, parce que du coup, là, pas sur mon fond. Mais... Elle est où ma lingette? J'avais une lingette. Là. Et est-ce que si je fais ça... Bah oui, ça fonctionne très bien. Donc, une fois qu'on a mis de la pastel à l'huile, là, c'est une lingette, regardez, on a notre fleur en fait, ça fonctionne super bien. Donc en fait, on va essayer de refaire ça sur la feuille. Bah oui, on va essayer de faire ça sur la feuille, sur le fond final. Hop. Comme ça, je vais nettoyer mon pochoir en même temps, hein. Donc là, la peinture est bien sèche, donc forcément elle va pas réagir comme si je venais de la faire et que je passais une lingette. Hein. Là, forcément, ça fait, je sais pas combien de temps qu'elles ont déjà faites les peintures. Donc là, forcément, on va pas avoir les mêmes résultats. Par contre, on va avoir notre fleur nickel. Vous allez voir que... Alors, la peinture en dessous n'a pas bougé. Mais on aura notre fleur. Voilà, regardez. Ah, moi, j'aime beaucoup le résultat, là. Ça fait super sympa. Du coup, eh ben, je vais faire pareil avec celle-ci.
Hop. Alors, je suis pas sûre que ça fonctionne pareil parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir autant de pastel sur ma fleur. Enfin, sur la. Sur le pochoir. Donc, je pense pas que ça fonctionne pareil. Il n'y en a peut-être pas assez. Bon, c'est pas très grave. On aura peut-être un semblant de. Ouais, on a un semblant de fleurs quand même. Discret, mais on a un semblant de fleurs. Bon, celle-ci, avec le bleu. Est-ce qu'on va avoir du bleu qui va apparaître? Je suis pas sûre. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner pareil. Pareil, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Donc ça peut-être être discret aussi, mais enfin. Hop, voyons voir. Ouais, là, ça n'a pas marché du tout. Par contre, j'ai récupéré du rouge. Bon, bref. On va dire qu'on va s'arrêter là pour ça. Donc, on va ranger. Parce que là, il n'y a plus de place. Hop. Mais comme quoi, on peut utiliser les pastels à l'huile. Voilà, voilà. Donc, on va venir coller. Ah oui, bah du coup, je ne l'ai pas travaillé, lui. Il faut que je le travaille, lui. Et bien, lui, je vais le travailler, hop, avec du crayon à maquillage. Voilà, j'en mets pas énorme. Cette fois, est-ce qu'avec l'éponge à maquillage, justement... Ouais, ça marche pas mieux, hein. Pardon. Et puis j'ai peur de déchirer mon truc, voilà. C'est pas tip top cette affaire. Non, ce n'est pas tip top. On voit les traces de mon crayon. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. On va venir. Donc du coup, on va le coller tout de suite. Comme de toute façon, je vais sûrement refaire des tamponnages. On va cacher un peu les coups de crayon. Mais lui, je vais le poser d'abord, justement, avant de faire mes tamponnages. Alors, hop. Je l'avais mis dans le coin là. Donc, des tamponnages, je vais prendre le petit cœur. Là, il a l'air pas mal, le petit cœur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre sur une plaque acrylique. Je vais le faire à la main pour qu'il n'y ait pas non plus... Il soit pas net net, voilà. Parce que j'ai pas spécialement envie qu'on voie spécialement le cœur. Voilà, je veux juste avoir des petites traces. Ça me paraît très bien, ça. Voilà, là on voit le cœur du coup. Voilà. Impeccable. Donc là, on a fait notre tamponnage. Et c'est vrai que du coup, mes coups de crayon maquillage se voient beaucoup moins. Ah bah là, je me fous de l'encre partout. Donc ça, on peut le ranger. Et on va venir coller. Donc on va venir découper ça. Comme d'hab. Mon café commence à être froid. Je vais l'arrêter ici. Donc je vais venir découper. Voilà, j'ai gardé une petite partie. On va le mettre à cheval là-dessus. Je vais prendre un chiffon parce que là, c'est vachement fin. Voilà. Tac. Mon petit oiseau. Voilà. Qu'on va venir retravailler. Alors... Je vais reprendre ce crayon là, puis je vais venir faire juste là.
pour rappeler un peu le rouge qui est dans le fond. Voilà. C'est pas mal. Je vais venir y mettre. On avait mis. Oui, c'était ça, je voulais. Hop. Je floute un peu avec les restants que j'ai sur le doigt là. Pour pas que ça soit trop blanc. Voilà. Ensuite, et ben on va reprendre un feutre noir pour refaire un cadre. Bon, ben je sais, ah ben il était là. Voilà, je vais le chercher, il est là. Du coup, je vais prendre mes crayons que j'ai voulu tester tout à l'heure et je vais faire des petites marques comme d'habitude. On va garder, donc là je vais prendre le rouge, on va faire des petits points. Voilà, je vais prendre l'orange. Voilà. On va prendre du vert et on va faire des petites croix. Et c'est vraiment histoire de, hein, parce que là, franchement, le fond était déjà pas mal chargé. En même temps, c'est des fonds gel presse, donc ils sont bien bien travaillés de base. Ouais, ça me semble pas mal là. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. On va le laisser comme ça, il est déjà pas mal. Hein. Il est déjà pas mal. Donc, on va le coller directement sur son fond. Hop. On va le mettre ici, c'est pas mal ici. Et c'est vrai que ça ressort vachement quand même. Ouais, l'oiseau ressort quand même pas mal. Bon, n'empêche que notre test derrière est pas mal aussi. Hein. Donc là, je viens coller ici. Et on aura fait une deuxième page en l'espace de 38 minutes. Bah, c'est pas mal. Comme quoi, vous voyez, il est super bien ce petit journal parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps devant nous pour pouvoir faire ces pages. Donc là, il me reste 1, 2, 4, 5 plus la couverture. Ça va. Alors, je refais un petit topo. Voilà. Donc, on a fait ça et ça aujourd'hui. Donc, ça, j'avais déjà fait avant. Donc, il y en a qu'on avait fait ensemble. Mais je voudrais bien le terminer. Donc, je pense que je vais le finir là dans la semaine. Ce serait bien. Je vais le laisser à côté de moi. Et dans le vendredi prochain, j'aurais bien envie de faire la couverture avec vous. Voilà. Donc moi je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.